qu'aurait été Huguette sans sa chevelure flamboyante. Personnage clé de la série Scène de ménage, Huguette était incarnée par Marion Guilhem, décédée ce jeudi 23 mars à l'âge de 84 ans. Elle avait grandement participé au succès de la série et conquis le cœur des téléspectateurs par son immense talent et humour, écrit M6 dans un communiqué. C'est en 2009 que la comédienne décroche le rôle d'Huguette, en couple avec Raymond dans la série, qui lui vaudra la consécration sur le petit écran. Pour incarner son personnage à la perfection pendant 14 saisons et des milliers d'épisodes, Marion Guilhem a dû porter des perruques. Invitée sur Non Stop People dans l'émission L'Instant de Luxe en août 2020, l'actrice au caractère bien trempé a raconté à Jordan de Luxe une drôle d'anecdote de tournage. L'ancienne compagne de Jacques Perrin avait expliqué qu'elle portait des perruques à cause du changement de couleur de ses cheveux roux. Quand vous avez des cheveux roux, ils peuvent être clairs et puis quand vous allez chez le coiffeur, ils peuvent refoncer, puis ils repoussent, justifiait-elle sur le plateau, clamant qu'une perruque était une valeur sûre. J'ai le souci du raccord, quand on tourne vite, il faut qu'on soit égal à soi-même. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 atteinte de troubles de la mémoire avant sa disparition, Marion Guilhem commençait à se faire discrète à l'écran. Et pour cause, la figure emblématique de Scène de ménage semblait avoir quelques difficultés de mémorisation, comme le déclarait le comédien Georges Belair le 24 janvier dernier dans l'émission Chez Jordan diffusée sur C8. En avril 2019, Ici Paris expliquait qu'elle était ainsi de moins en moins en capacité de jouer. Le pire scénario possible pour un comédien. Article écrit en collaboration avec C-Media. Crédit photo, Cédric Perrin.